Hello tout le monde, c'est Italo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo de type ouverture de cartes Pokémon. Écoutez, moi ça va extrêmement bien, ça va super, je suis très très content de vous retrouver pour l'ouverture de deux box Pokémon destinées au culte. Donc comme vous pouvez le voir, on a trois boosters ainsi qu'une carte promo avec un Pinsmewtwo pour l'un et pour l'autre, c'est le coffret tout simplement Mew avec une carte promo de Mew, un Pinsmew et trois booster destiné au culte, encore une fois. Alors, qu'est-ce que sont les boosters destinés au culte, les amis? Parce que vous pouvez vous poser la question. En fait, ce sont des boosters Pokémon où, en fait, à la place de la Reverse, on peut avoir des Shiny, ce qui est très important. Donc, il y en a 75 dans la série. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une série à part de la série principale destinée au culte. Bref, c'est un mindfuck incroyable. Et aujourd'hui, j'avais tout simplement envie d'ouvrir ces deux petits coffrets que vous pouvez retrouver chez Auchan pour la modique somme de 20 euros. Par là, il me semble. Du coup, écoutez, on va procéder à l'ouverture de ce coffret. Donc, hop, on va le défoncer par là, mon gars. Allez, ça va dégager. Et franchement, j'ai trouvé l'idée assez sympa avec le petit Pins, tout simplement, qui est. Mon Dieu. Qui est. Enfin, offert à l'intérieur, parce que ton Pins, tu le payes quand même. Genre, what the fuck. Mais qui est là, qui est magnifique. J'ai cru que je pouvais le récupérer, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein? Ah mon Dieu. Alors vous voyez un peu le setup, là il y a mon PC portable, quand même ici, là il y a mes deux écrans, genre c'est n'importe quoi. Alors, on est parti sur un mindfuck total. Alors déjà, on se retrouve mon gars avec une petite carte Mew holographique qui fait très très plaisir. Donc hop là, vous savez très bien que j'ai pas l'habitude d'ouvrir ces cartes Pokémon, mais vous voyez qu'elle est holographique. Ah bam, bam, la lumière de la lampe, c'est ça qu'on aime. Hop là, donc ça c'est super bien. Le code promo, il est pour vous si vous voulez aller offrir ce coffret sur internet. Genre, moi je le fais pas, personnellement. Donc, autant que ça serve. Hop, le petit pins à l'effigie de Mew qui va finir sur mon sac à dos parce qu'il est vraiment sympa. Genre, je sais pas si vous voyez bien comme ça là. Franchement, il est vraiment cool. Et évidemment, ce qui nous intéresse énormément, les trois boosters de Destinée Occulte qu'on va se mettre juste là. On va ouvrir la deuxième box pareil et on va se faire l'ouverture de 6 boosters Pokémon. Alors, la carte la plus rare. De cette série, c'est tout simplement le Dracaufeu Shiny. Donc le Dracaufeu Shiny Full Art GX, il me semble. Clairement, si on l'a dans cette vidéo, les gars, genre. What the fuck, les amis, what the fuck, hein, j'ai envie de vous dire. Rien ne va plus. Alors, hop. Hop, ça dégage. Hop. Tac, on va ouvrir ça. Donc, allez. Voilà, nickel. Hop là, et donc là, la petite carte holographique de Mewtwo. Franchement, ça va, je préfère celle de Mew. Je préfère largement celle de Mew. Mais elle est quand même bien sympatoche. Alors, hop là. Et hop, le Conan Line, juste pour vous. Ça fait plaisir. Hop, ça régale. Et évidemment, mais super, il est tombé par terre. Incroyable. Et le petit Pins Mewtwo, les amis. Hop là. Franchement, sympa. Genre, ok, donc le dos, évidemment, c'est. Donc c'est officiel, hein, tout ça, ce sont des pins officiels et tout, donc ça fait plaisir. Hop, et nos trois boosters Pokémon. Donc, hop là, pour 40 euros, on a 6 boosters, 2 cartes et 2 pins, sachant qu'il y a 10 euros remboursés par Auchan, et ça fait plaisir. Donc elles sont cool. Donc, est-ce qu'on a les 4 illustrations? Oui, on a les 4 illustrations, les amis, genre vraiment. Donc l'illustration de Dracaufeu Shiny, donc le fameux Mew. Electro Arlequin et Sulfura, ainsi que Mewtwo Shiny. Donc ces deux cartes sont vraiment. Eh merde. Ce sont vraiment les deux ultra rares de la série à avoir pour le coup. C'est The Goal. Genre, c'est vraiment le but de cette série, de les avoir toutes les deux. Écoutez, c'est parti. Hop là, on va commencer avec le booster. Le premier booster Mewtwo. Avant, toujours très très la galère d'ouvrir ces boosters Pokémon. On va pas se cacher. On est là. Voilà. Hop là, donc, ah oui, donc le Conan Line, hop, tenez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop là, donc l'Ultra Rare est ici, enfin l'Ultra Rare et la Reverse sont en deux dernières, du coup c'est parti, Magikarp, attendez, hop, parce que j'ai vraiment aucune habitude, à bout, Voltorb, Raikou, Pikachu, Énergie Ténèbres, Exil de Giovanni, Piège de Koga, alors normalement derrière, il y a soit une Shiny, soit une Reverse. Non, pas du tout. Arène Argentée de Pierre et. Oh, c'est une première Shiny, non? Voltorb Shiny, les amis! Donc, si vous regardez, c'est là. Si le focus veut bien se faire, bien évidemment, c'est la
SV13 sur SV94. Ça fait plaisir d'avoir une petite shiny. Et derrière, on a Arbok en rare. Donc, notre première shiny Pokémon, les gars, qui n'est autre que Voltorb. Ça fait très, 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 très plaisir. Ok, donc les shiny, on va les mettre là-bas. Hop, les cartes, ça dégage. Bon, c'est bon, moi, ça m'a saoulé là. Hop. Eh, franchement, premier booster, une ultra rare. On aime. On aime, on aime, on aime. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir des shiny à chaque booster, hein, bien évidemment. Du coup, c'est ça qui est un peu. Qui force un peu le suspense. Mais donnez-moi mes cartes, bande de salauds. Voilà. Hop là. Donc, pareil, con online. Hop. Jouez, donne tous, hein, parce que j'en ferai rien. 3, 4, 1, 2. Ah putain, c'est tellement satisfaisant de toucher des cartes Pokémon. Genre, vous imaginez même pas à quel point. Alors, Mélofée, Rondoudou, Chenipan, Evoli, Abo, Énergie Plante, Levenard. Oh, elle est trop mignonne celle de Levenard. C'est insane. Cravalanche, Exil de Giovanni qu'on a déjà eu, Kangorex en reverse et. Oh! Dame Bro! Dracaufeu GX. Waouh, elle est magnifique. Waouh, deux boosters, deux ultra rares. Cette ouverture commence très très bien. Genre, on va pas se le cacher. On rentre 2 sur 2. Ça fait plaisir. Eh! Clairement. Eh. Voilà, hop. On commence à avoir l'habitude maintenant des boosters. Ça dégage, je t'ai défoncé. Genre, je vais défoncer la gueule au booster. Hop. Donc, je laisse le con online. Parfait. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là. Hop. Donc là, on a Mélofée, Psycho-Couac, Abo, Chenipan, Paras, Énergie Feu, Dame du Centre Pokémon, aussi hashtag Infirmière Joël. Ok, c'est une shiny. C'est clairement une shiny, les gars. C'est une sacrée shiny. Suggestion de Morgane et. Ah, pas du tout. Un sécateur. Sylvallier GX Shiny Full Art. Waouh! Waouh! Et derrière, on a Analyse de Léo. What the fuck? Elle est magnifique! Waouh! Elle est incroyable! Regardez-moi ça, comme elle brille! Sympa, elle fait voir derrière, est-ce qu'elle est abîmée? Non, elle est pas du tout abîmée! Oh, nice. Alors, par contre, j'ai pas de protège-cartes, donc peut-être que ça va faire criser les plus fervents dresseurs Pokémon d'entre vous. Bon, clairement. Eh! Allez, j'essaie de pas faire trop de bruit en ouvrant les boosters, mais hop, fuck it. Genre, vraiment, hop, voilà, ça c'est fait. Tac, le code online, ça fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Eh! Franchement! Je suis grave content, genre je pensais vraiment pas avoir des cartes comme ça. C'est insane. Alors, Mélofée. Psycho-Couac. Magikarp. Starry. Voltorb. Energio. Vaillance de pierre. Détermination d'Ondine. Dame du centre Pokémon et. Ah, énergie de ténèbres en reverse et Mélodelphe en rare. Donc cette fois-ci, on n'a rien eu dans ce booster. En même temps, la chance, faut pas la pousser trop loin non plus, genre faut pas déconner. Faut clairement pas déconner. Voilà. On a eu 3 ultra rares en 3 boosters. Je pense que c'est déjà un bon ratio. Hop. Le Conan 9. Parfait. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Putain, j'arrive à bien le faire. Avant, j'y arrivais pas du tout quand je jouais mes boosters Pokémon. C'était insane. Magikarp. Raikou. Mélofée. Evoli. Abo. Énergie électrique. Canartichaud en reverse. Quoi? What the fuck? Et en plus, j'ai. On a vu que j'avais une ultra rare, mais je me suis chié, putain, mais pour, évidemment, évidemment. Donc, on n'a pas eu de shiny, c'est pas grave. Suggestion de Morgane, Dame du Centre Pokémon, un sécateur et. Oh là là, ça brille. Oh là 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 là, c'est quoi? Onyx GX, il est trop beau. J'adore. J'adore cet effet de lumière comme ça. Mais ça, c'est vraiment mes premières ultra rares françaises, les gars. Genre, no joke. Je n'ai jamais eu d'ultra rare de ma vie, et ben voilà. Alors, Onyx GX, qui rejoint donc la collection des ultra rares. Franchement, sympa, hein? Genre, hop là. C'est très très cool. Allez, les amis. Allez, on prie pour une dernière shiny. Genre, ça ferait très très clairement très plaisir. Hop là, le con online, il est pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, donc cette fois-ci, ouais, c'est bon. Je le fais bien, hein? Faut pas déconner non plus. Parce que je suis un autiste, mais pas trop. Voltorb. Pikachu. Abo.
Smogo, Paras, Énergie Fée, Reptincelle, Magmar. Alors, je sais pas combien de cartes il me reste. Un sécateur. Ah non, merde! Ramolos en reverse et Monsieur Mimora. On n'a pas eu de dernière shiny. On n'a pas eu le Dracaufeu shiny, le Mewtwo shiny. Mais c'est pas grave parce que j'ai ouvert que 6 boosters et quand même on a eu un total de 4 ultra rares, dont 2 shiny, les amis. Ça fait vraiment très, 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 très plaisir. Donc, on a eu Onyx GX, donc avec étreinte, gros impact. Avalanche Rocheuse GX x200, genre what the fuck, les amis, what the fuck. Genre Dracaufeu GX avec bout de feu GX 300, waouh. Voltorb Shiny, donc qui est bleu. Alors de base, le Voltorb Shiny, enfin le Voltorb normal, il est rouge. Et cette fois-ci, il est bleu. Ouais, donc Shiny, ça veut dire chromatique, ça veut dire qu'il change de couleur avec. Mais il change de couleur. Genre, t'as très peu de probabilité de l'avoir sur le jeu Pokémon. Genre, t'as une chance sur 4096, il me semble, quelque chose, et des patates. Hop, et surtout, la plus belle carte qu'on ait eue, Sylvalier GX. Waouh, elle est belle. Vraiment, elle est très, 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 très belle. Elle est incroyable. Genre, vraiment. Bon. Enfin, clairement, ça fait très, très plaisir. Je ne pensais pas. Je pensais pas en avoir une comme ça. Donc ça, c'est une ultra chimère, en cas où. Genre, et voilà, genre, c'est ouf. Genre, elle est magnifique. Mais écoutez, c'est tout pour cette ouverture de cartes Pokémon. J'espère que ça vous aura plu, donc... Vous avez les codes online, on a eu 4 ultra rares sur 6 boosters, ça fait extrêmement plaisir hein, pour le coup. Genre, c'est devenu le bordel à côté. On a eu 2 pins officiels, donc Mew et Mewtwo. Et on a eu, évidemment, pas des cartes promo parce que ce ne sont pas des cartes GX, mais on va dire que ce sont des cartes promo de chaque comment ça s'appelle, de chaque coffret. Donc ça fait clairement plaisir avec le petit Mewtwo et le petit Mew. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le lourd pouce bleu qui fait plaisir, excusez-moi, à partager la vidéo et à la commenter. Et puis, les amis, on se retrouve dans un prochain épisode, dans une prochaine aventure, dans un prochain let's play, dans une prochaine vidéo. Bref, vous connaissez la chanson. Ciao tout le monde, c'était Italo. Bye bye.